Venanus West, oh merde, mais c'est pas très bon. Moi, il faut que je dise un truc. Non, non, je peux pas dire ce que j'ai dans la tête là, c'est pas possible. Moi, j'étais, quand j'étais toute jeune, j'étais fan de danse classique. Et bah, j'ai très vite compris que c'était pas pour moi. Mais j'adore la danse, mais voilà. Chacun son truc, quoi. Moi, c'était plus institutrice, voilà, professeur des écoles. C'était le être au milieu de jeunes. Voilà, je me plais au milieu de jeunes pour faire passer des infos, enfin la vie, tout. Voilà. La thérapie du bonheur. Le bonheur, ça existe. Et c'est profiter de chaque instant, voir la vie du bon côté. Mais effectivement, le bonheur peut exister. Et moi, ça serait donner pour mieux recevoir. Voilà, tout simplement, le bonheur d'un sourire, d'un regard échangé, d'une complicité, ça part de là. Et il est important de le réaliser, puisque de nos jours, avec tout ce qui se passe autour, je trouve que c'est très important. Donc, avec l'âge, j'apprécie de plus en plus ces moments-là. Repassage. Repassage. Oula. Ouais, la vaisselle, le linge, plié, rangé, relinge. Moi, c'est vraiment le linge, quoi. La corvée du linge. Il y a tellement de choses. Pourquoi choisir une chose? Ouais, c'est ça. Je resterai sur un pantalon noir, on ira ça comme ça. C'est passe-partout. Voilà, ça peut être chic, ça peut être décontracté. C'est vraiment en fonction de comment on l'habille, après qu'on l'agrémente. Ouais, moi, c'est plus un jean, quoi. Avoir toujours un jean pas très loin. Lutter pour la parité. Puisqu'on écoute plus les hommes que les femmes. Donc, voilà, je me mettrai pour justement l'égalité. Une chose qui est censée être normale. Et c'est une aberration de devoir lutter pour l'égalité des chances, l'égalité des salaires. Donc, voilà, je serai féministe dans l'âme. En tant que femme, je ne le suis pas du tout, mais en tant qu'homme, je le serai. Oui, moi, c'est une très bonne idée, ça. Et pour faire, oui, pour aller à l'encontre des stéréotypes, parce qu'on est baigné dans ces stéréotypes qui bloquent beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup l'aspect de mixité. Donc, ce serait vraiment lutter pour faire les choses de manière mixte et ensemble, quoi, entre hommes et femmes. Et peut-être découvrir que ce n'est pas une si mauvaise idée, quoi. Moi, j'ai toujours la même chose. En règle générale, moi, c'est vrai que pour l'absolu, dans le sport absolu, c'est la cérémonie des Jeux Olympiques, où vraiment, ça a été un moment très, très fort, parce que c'est tout sport confondu. Et ensuite, le titre de championne d'Europe des Nations, c'est vrai que c'était, on partait de loin, avec Isa, on est parti du groupe C, de vraiment le plus bas niveau international. Et obtenir le Graal en France devant sa famille, son public, les gens qui nous ont formés tout au long de notre carrière. Ça a été un moment très riche et très fort humainement. Puisqu'avec cette chère Isabelle, on se connaît depuis ouf. On était en sélection en cadette, je crois, ensemble. Donc ça fait très très longtemps. Et donc c'est vrai que ça a été un aboutissement voilà, général. Ouais, non, non, mais pareil. Moi, c'est vraiment... Ce souvenir, et c'est tellement dur quoi d'y arriver, et on y est arrivé. Il n'y a pas un moment, et je pense qu'individuellement, il y a les blessures, c'est toujours des moments très frustrants d'être freiné dans une période où ben, on veut toujours gagner des matchs, être mieux, plus fort, plus haut. Hein. Et après, c'est vrai que tant d'investissements pour après voilà, perdre des matchs, où il y a des fois où voilà, c'est difficile, mais ce n'est pas un moment précis. Moi, je n'ai pas un moment précis de ma carrière. Voilà, je ne sais pas si toi. Ouais, mais, moi, c'est ma dernière année en Italie, où ça s'est très mal passé, où je suis partie en cours de saison. Enfin, c'était plutôt vers la fin, mais c'est vrai que d'abandonner une équipe parce que ça se passe très mal, bon, ça c'est un peu compliqué. C'était très compliqué. Illégal ? Bah ouais, je pense qu'on a eu des PV, hein, des excès de vitesse. Ouais. Parking mal garé. Voilà. Voilà. Excusez-moi. T'oublies tes affaires. Ah, j'ai interviewé là-haut. Ouh là là là.
Ouais, hein, c'est non, tout. Non, c'est tout, après rien non, de... Non, on est des filtres. Ouais. Mais... La vieille école. Respect. Voilà. Moi, je choisirais une actrice. Alors, laquelle peu importe, mais avoir la vie d'une actrice, jouer la comédie, voilà, être une artiste de manière générale. Moi, c'est des gens qui m'intéressent, qui me bluffent. Et voilà, tout le monde n'a pas ses qualités. Et voilà. Alors, aucune idée. Vraiment, aucune idée. Ouais, tu es bien dans la vie, hein. Tu es voilà, contente avec ce que tu as. Voilà, exactement. Moi, voilà, le bonheur, c'est d'être parmi vous, d'être là, donc de parler de basket avec des gens que j'apprécie. Donc, non, voilà, ça me. Non, ben justement, I'm Happy, j'aime bien, elle a fait le buzz, elle est peut-être un peu rétro pour l'actualité, mais non, j'aime bien celle-ci, elle est en plus, elle est mignonne, moi, chez Méchant, j'adore, je suis fan. Bon, officiellement, c'est pour les enfants, mais bon, c'est pour moi aussi, je me fais plaisir, donc j'aime bien cette chanson, voilà. Mais après, un pèse personne. Faire repasser. Ouais, parce qu'il y a le perso et le professionnel, quoi. Donc, c'est réussir à allier les projets, être bien dans sa vie personnelle et voilà, continuer à avoir des objectifs dans ma vie de cadre technique, d'entraîneur et progresser, quoi. Voilà. Et moi, oui, d'être épanouie dans les multicasquettes que les femmes peuvent avoir, à savoir la vie professionnelle, la vie de maman, la vie dans le monde associatif, comme bénévole, ça peut être comme entraîneur, enfin voilà. Et c'est vrai qu'on demande beaucoup de choses aux femmes en règle générale. Donc voilà, essayer de faire du mieux et sans se culpabiliser que si on privilégie pendant un moment de sa vie une casquette plutôt qu'une autre, de dire on a laissé côté, on est peut-être une mauvaise mère, une mauvaise personne d'association. Voilà, essayer de prendre les choses comme elles viennent pour être tout simplement heureuse et épanouie et la boucle est bouclée par rapport à l'autre question.